Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans l'un épisode, on avait dévoré des humains, dévoré un chasseur célèbre, infamie Tyler Dixon. Le prochain, ce sera l'apprenti boucher Brady. Ah, mais je vois ce qu'il me rapporte. Ah, et je viens de comprendre un truc, c'est en détruisant des bateaux de chasseurs de primes et probablement en mangeant les chasseurs que on gagne des points d'infamie. Et c'est en affrontant des chasseurs qu'on a le droit d'affronter les plus gros qui rapportent des bonus. J'avais bien remarqué que j'avais plus de chasseurs célèbres lorsque j'affrontais des chasseurs, ce qui est assez logique, mais je pensais que c'était un peu aléatoire alors qu'en fait ça dépend juste du nombre de chasseurs qu'on a déjà dévorés. Tant mieux, c'est que si jamais je veux affronter des chasseurs plus costauds, il suffit que je retienne les chasseurs pendant un moment. De toute façon, ils arrivent sans fin jusqu'au moment où ils m'ont tué ou au moment où j'ai fui. Donc ce sera pas un souci. Alors, tout droit, tout droit. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait sur le chemin. Alors, ça commence les poissons de quête. Ça c'est un humain. Ça c'est un moto. Moi je vais juste des poissons perroquets, mais. Phoque. Ça doit aider d'avoir le soleil avec moi. Ça me permet de voir quand est-ce qu'ils font des trucs avec leurs ombres. Alors, je voudrais un poisson perroquet de plus, ça ne gêne pas. Much of the sand in the parrotfish's range is actually pulverized undigested coral they excrete after grazing the reefs for algae. Alors, j'ai très peur qu'il ne mène pas au bon endroit. The appetite of this shark is nearly insatiable. Ah, je suis monté à 43 000 quand même. En cristaux. Bonjour, toi. Evolutionary anomaly, the hammerhead. Il est là-bas. Je suis niveau 26, mon gars. Ah, les suprêmes quand même, j'ai l'impression qu'ils ont une vie incroyable. Pareil avec l'alligator, c'est pas forcément hyper dur à tuer, mais les chassés ils sont juste un peu plus forts. Suprême, je trouve qu'ils sont nettement plus forts. Après, avec l'électricité, je m'immobilise bien. De temps en temps, il met des coups, mais à part ça. Shark triumphs, overcoming her opponent's clearly superior depth perception. Ok. Qu'est-ce qui va me rester? Terminer boss. C'est ça? M'étonnerait. Et 50%, on en est à 38. Donc il faut que je fasse des choses de type trouver les coffres. The best rule to follow when encountering a strange fish is to identify it first, then kill it. There's no such thing as a recession-proof business.
except for the frozen banana stand. Whether boom or bust, the demand for reliable, quality frozen bananas remains a constant. Alors, il y a une étiquette là-haut. C'est pris. Enfin, une plaque d'immatriculation, c'est toujours pas une étiquette, mais... Intensive shark hunt is now underway. The shark is still a potent menace to any and all living things. Ouais, mais à moitié mort, il va quand même faire attention, le requin. Attention, je n'arrive pas à l'attraper, c'est bon. Waving his hunting rifle, yelling at me to sail faster. C'est quoi ma prochaine quête? Il me reste terminer boss et la progression. Je ne sais pas où c'est terminer boss. Bête saphir. Ah, il y a des récompenses quand on finit tout. Pas beaucoup, j'ai fini. Si, les points de repère. Bon, on va chercher un peu des trucs. Ah. Voilà, on va affronter des chasseurs s'ils m'ont trouvé. Really a gourmand. 46%. The bull shark will eat just about anything. Allez, fouiller dans les souterrains. Ça, je vais tenter un truc comme ça pour rentrer, mais ça n'a pas l'air très très efficace. J'ai peur de vous? Ah, attendez que je revienne et on en parlera. Another shark hunt draws to a close. These scavengers of the sea are vital in cleaning the ocean floors of edible and semi-edible detritus. Sometimes even sharks just need to dirty bulk. Alors, observez le dernier projet.
D'accord, je veux bien. Donc j'ai atteint les 50%, c'est ça. Nouvelle sortie. Je me rends compte que mon micro est pas super près de ma bouche depuis tout à l'heure. Au moins vous devez pas m'entendre souffler. C'est-à-dire que c'est déjà ça. Mais vous devez pas m'entendre très fort non plus par rapport au son du jeu, et ça j'aime pas trop. On va baisser. Oh, j'ai fait menu principal. Je voulais faire paramètres. Audio. Petit changement, retour, continue. Désolé pour cette coupure imprévue. Only the prosperity created by global capitalism allows vacationers to purchase Sunyer buns and Port Clovis ashtrays. C'est pas très très grave. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une zone. As twilight falls, Pete is in an uncharacteristically quiet mood. It's a dangerous job. It's not something unknown to me. Well, you want to see dangerous? Look at that, yeah? That's PT-522. My daddy crewed that off of Guadalcanal. It was Navy. Gunner's mate. Pacific Theater. But when I was 16 men, came back a day later, with three. Man survives all that, was to die here in the Gulf. What happened to him? Oh, you don't like me saying this. But my daddy, his granddaddy, was killed by a megashark. I'm sorry. He's talking about a prehistoric fish that went extinct 2.6 million years ago. I seen it. And you were a kid. Ain't they discover new animals all the time? Sort of. Well, not exactly. In lots of cases, they're just corrections of species with different names. Also stuff like misspelling. But I just say, maybe there are things in the water that ain't in your textbook. Stick around. Maybe you learn a thing or two this summer. Whatever. The ocean is vast. The majority of it still remains unmapped and unexplored by mankind. Perhaps Kyle shouldn't be so quick to dismiss his father's fevered ramblings. Alors, terminé, boss. On va l'affronter. Défier PT et Kyle. Ben, je suis sous l'eau, mais ok, on va dire que vous m'avez vu à travers la surface. Il y a tellement de monde. Oh, les plongeurs, ils sont pas super costauds. Est-ce que je casse la cage ou est-ce que je casse le bateau? Ah mince, faut que je lance ça. J'ai chopé un truc explosif. C'est-à-dire que théoriquement, je dois pouvoir le lancer, mais je suis pas encore très très bon pour faire ça. Il a dit c'est ça couillon ou j'ai rêvé? Somebody
plus de cage. Oh. Don't drag us now. Hop. J'ai un chasseur. J'ai l'impression qu'il y a encore un plongeur sous l'eau. Non, ok. On va descendre pour manger un poil. Ils sont très profonds les poissons là. C'est bien, ils parlent en français. C'est pas moi qui rêve. Il y a des Canadiens dans l'eau. Peut-être. Très logique niveau proximité, mais. Scaly Pete remains resolute. Where's she at? I don't know. Ah! Oh. Aïe. Can! Get that can! Douse him! Pique-toi! Il va m'enflammer? Il va m'enflammer. We're about to blow! Get the f*** off! Oh. Moi j'étais encore dans l'eau ou pas? Carl! Carl! Ah maintenant il a une vraie tête de méchant. What remains of the boat lurches, then slowly sinks to the bottom of the sea. The shark is now an elder, and thus begins a new battle against systemic age discrimination. Ah, ancien, bon émergent, bon aérien, capacité pulmonaire. Nouvelle nageoire. Alors. 40 points de dégâts à toutes les cibles situées dans un rayon de 1m50. 100% de résistance aux dégâts. Ah, 6 esquives. Ah, c'est parce que c'est pour ça que mes esquives font des dégâts, je vois. Et sinon, ça fait résistance aux dégâts et dégâts de frappe. Ça, ça ne fait que 6 esquives. On va garder celui avec le plus de trucs passifs. Est-ce que j'améliorerai pas ça encore un cran? Ou est-ce que je passe à un autre truc du genre vitesse max, vitesse d'esquive, vitesse de bond en avant. On va améliorer celui-là pour l'instant. Hop. Et nageoire. Résistance aux dégâts et vitesse d'esquive. Vitesse d'esquive c'est aussi sympa franchement. Vous transformez en éclair en faisant 4 points de dégâts en plaçant un marqueur d'immobilisation sur toutes les cibles situées dans un rayon de 3 mètres. Une cible est immobilisée lorsqu'elle accumule 10 marqueurs et ils sont retirés toutes les 3 secondes. Je vois. On va garder hausse pour l'instant. Nickel. Palier 5 aussi. On est vachement bien amélioré. C'est toi la foque au destin. Rodier et moi, semer le chaos à sable prospère. Sable prospère, c'est ça, il veut que j'aille à sable prospère faire des bêtises. Eh bien, on va y aller.
Ah, j'obtiens des trucs intéressants aussi en faisant tous les points repères et autres. Tous les points repères, il y a corps de l'ombre à gagner ici. J'ai pas terriblement hâte, mais bon. On va aller semer le chaos. Je suis un ancien. J'arrive, croque les espadons. Ah, je me trouvais plus stylé sous l'eau. Hors de l'eau, bon, bah, j'ai du rouge comme tout à l'heure. Y'a un truc qui m'en veut ? Pas impression. Y'a un coffre ici, oui. Bien ce que j'ai. This protein supplement has zero additives, so the shark doesn't have to worry about hidden artificial colors or flavors. Oh, c'est chouette, parce que s'il m'avait mis des colorants artificiels, j'aurais été bien embêté. Vous avez de la chance, c'est pas à vous que j'en veux aujourd'hui. Un qui a fait un saut et qui a replongé juste au moment où je suis arrivé. Maintenant, je saute vachement. Humans have seen less than 5% of our oceans, which means there's still plenty of treasure out there for everybody. Alors, on a un truc à aller chercher ici. Alors, on a un peu de monde dans l'eau. Vigilante fever has seized Port Clovis, making it dangerous for anything that's working. Bonjour les chasseurs. Comment dire, je suis devenu ancien depuis le temps et je fais beaucoup de dégâts au bateau. Au bateau, au chasseur, à tout ce qui traîne quoi. Faut aussi faire ça. Au moment où j'ai clean le bateau. J'aime bien cette stratégie. Oui, la stratégie aussi, je les cueille. J'ai quand même l'impression de beaucoup spam click et de pas faire grand chose de très intelligent. À part miser sur la vitesse pour s'en sortir.
D'ailleurs, je fais tellement de dégâts maintenant. Juste un peu à taper dans le tas. C'est possible, j'en attrape un. Toi, tu fais quoi debout? J'ai un bateau qui coule. Became commonplace here after the previous mayor's practice of hiring Fijian shark charmers proved largely. Et vous, vous avez pas la vision de long terme, hein. Tant mieux pour moi. J'ai un festin gratuit. Ah, là on a 629 days Prosperity Sands ain't had no shark attacks. You can thank OP for that. Prosperity Sands sure ain't. Ah, faut que je tue des phoques maintenant. Ah, ils sont de ce côté là. Oh, requin blanc. On l'a dévoré. Moi j'étais venu pour les phoques à l'origine. The corn-fed colossus, butcher boy Brady. Il joue avec la dynamite, apparemment. Throwing caution to the wind, the big fish escalates its battle against port floats. Allô encore. Ah,
J'ai l'impression de toujours avoir un chasseur dans la bouche. Il s'aide pas avec la dynamite, j'ai l'impression qu'il se prend des dégâts aussi. Ah, j'ai réussi à retomber sur un bateau et à le faire couler. Having evaded justice for her heinous crimes, the shark is now the subject of a bounty. Ah, je voulais juste des phoques, moi. Vos collègues pensaient aussi qu'ils allaient pouvoir me gérer. Ça n'a pas très bien terminé pour eux. While fostering a balanced ecosystem is a complex and multifaceted process, what harm could arise from killing a bunch of seals? Ah, seals, c'est des phoques. Port Clovis has grown bored of the hunt, leaving our shark to fight another day. Qu'est-ce qui m'a tapé exactement? Ça? Qu'est-ce que t'as cru, le requin marteau? Tu vas t'attaquer à un ancien comme ça? Quelle erreur! Sophisticated wildlife management has never been a priority in Port Clovis. And so, amateur hour begins. It's essential that the shark returns to the water. Il fait plein de dégâts en retombant. Alors encore du chasseur, plongeur chasseur apparemment. Cette stratégie de retomber sur les bateaux. Au pire j'en chope un. Au mieux j'écrase le bateau. Bon au pire je me loupe en fait plutôt. Ça m'arrive aussi. Il manque toujours des humains. Heureusement, ils se sont tous rassemblés. I like this beach you and me. Got a lot of nice looking wealthy women. There's a court order says I can't be within 200 feet of the beach. But you can see a lot with your boots. Ça a l'air d'être un personnage de chasseur. Il y a plein de jolies femmes. C'est une ordonnance du juge pour pas m'approcher. Mais vous inquiétez pas. Pourquoi il y a autant de soleil? Autant de lumière? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le lever du soleil? Impressionnant. J'ai une ordonnance pour pas m'approcher de la plage. Mais ça va, j'ai des jumelles.
trucs à manger, j'ai pas le temps de perdre trop de vie. Encore du plongeur sous-marin. C'est des gens qui sont tombés à l'eau. Ah, il y a du plongeur sous-marin. Alors ce que je pourrais tenter, c'est je m'élève et je retombe en esquivant. Plutôt que de juste compter sur mon corps pour faire des dégâts au bateau. En déjà mon corps est assez efficace. Drôlement bien d'atterrir sur les bateaux. Oh là là. Si possible avec un peu de hauteur d'abord. Je sais pas taper. J'ai envoyé valser le bateau quand même. Bonjour toi. While hunting bull sharks was made illegal in 1997, many shark hunters get around the rule by not caring. Ça craque quand même les chasseurs de requins. Damné Sable Prosper chasser, contrôle la population et tuer un prédateur. Ah, je suis censé remonter dans les terres. On va y aller, bon, parce que sinon ça peut durer vachement longtemps. This gives us an intriguing perspective on how bull sharks hunt their prey. Oh, les paf, c'est fini. Little fanfare, another bounty hunt comes to a close. The bull shark tracks down a sea. It's a mouthful of disgusting blubber for its efforts. J'ai l'impression. Ah non, c'est un grand requin. Ça. Il va le regretter. Alors, je suis censé visiter la grotte. On va y aller. The shark is now a mega shark, often referred to by scientists as the 64 ounce gas station soda of large marine predators. Et on a monté notre capacité pulmonaire. Maintenant, normalement, je peux ouvrir toutes les grilles. Je suis niveau 30, ça se trouve, ça ne va plus changer. Je suis déjà quasiment à max en santé. Ah si, ça va changer parce que, par exemple, les organes, c'est niveau 35. Et tête et queue, je pense que je les ai débloqués, c'est juste que je n'en ai pas.
Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans un suivant.